Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf... Regardez ce qui va se passer ici. Cracher dans ma bouche. Ah. Bah, tout ce qui passe par les fesses, quoi. J'aime pas les cunis. Ah ouais, j'aime pas que les gars descendent en bas. Non. Salut. Comment tu t'appelles? Shay. Siam. Charlotte. Moi c'est Charlot. Eunice. Ketia. Alia. Je m'appelle Ilana et toi? Ilana. Ilana, moi c'est Degay. Enchanté. Enchanté les gars. Alors, en couple ou célibataire? En couple. En couple, hein? Ouais. Depuis... Ah ça je peux pas dire. Ah bon? Oh, mais pourquoi? Ça c'est personnel, désolé. Mais non, oh, mais oui. Non. C'est que t'as beaucoup de gars alors en ce cas. Non, j'ai pas beaucoup de gars. Bon ok, comment il s'appelle? Non, je peux pas dire le nom de mon mec. C'est attends, personnel. Vous avez entendu comment elle a crié là? Ouais. Juste parce que je t'ai demandé si t'es en couple. Ouais. Ça sent pas la sincérité. Là, si, c'est sincère. Est-ce que t'es fidèle? Oui, je suis fidèle. Lâchez-moi en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez parce qu'elle ne veut pas dire le nom de son chéri. Ah oui. Après, elle va nous dire au nom, c'est la discrétion et ah, tout. Oui, on la est discrétion. Ah, oui. Ok, pas de soucis, on y va droit à la question. Let's go. Oui. Un homme a le droit de tout te faire au lit. Sauf. Écoutez très bien. Cracher dans ma bouche. Ah. Ah non. Là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais s'il ne le fait pas exprès, par exemple. Genre, toi, tu gères bien, tu chantes bien, mais ça sort comme ça. Bah, je crache. Faux. Ah ouais. J'aime pas. D'accord. C'est déjà arrivé? Non, pas encore. C'est quand tu dis t'aimes pas, on dirait. T'as déjà goûté le goût non, de ça? Non, jamais. Jamais. Pas encore. Non, corporel, l'homme ne peut pas cracher dans sa bouche. Dans ma bouche, avant, ouais. Mais tu peux quand même chanter. Oui, tu sais, mais non, pas cracher dans ma bouche, ah non. Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf. Hein? T'as bien entendu? Ouais, je vois des trucs comme ça. T'as bien entendu? Je peux passer? Non. Là, elle m'a lâché là. Bon, laissez un pouce bleu. C'est pas facile que les gens nous répondent lors de nos interviews. Alors, laissez un pouce bleu pour la suite de cette vidéo. On continue. Merci. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. T'as accordé, j'aime bien. Merci. La couleur, le toi haut, aussi, le bas. Accordé à toi, t'as vu? Merci, ça fait plaisir. Alors, dis-moi. Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf... dans les fesses. Hein? Dans les fesses. Oh my goodness. Ah, par derrière. Voilà. Là, c'est rédhibitoire, quoi. Exact. Ah, d'accord. Même par amour, si la personne te demande par de amour, le faire. Non. Il y a des concessions à faire, mais pas ça. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Même ouais. Pas par rapport à tes croyances religieuses. Non, du tout. Non, c'est perso. Rien ouais, voilà, juste pour ça. Juste pour ça, ça passe pas. Voilà, exact. Et pour les gens qui le font, tu respectes ou... Ouais, je respecte, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si c'est comme les fétichistes, ceux qui aiment les pieds, ils aiment les pieds, c'est pas grave. Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf... T'es sérieux là? Bah oui, c'est la question. C'est que tu vas jamais tolérer qu'un homme te fasse au lit. Je crois que c'est derrière quoi. Ah, par derrière. Ouais, je peux pas. D'accord. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De l'air. Douleur. Mm-hmm. Ah, c'est que t'as déjà essayé. Comment tu sais que ça fait mal? J'ai essayé une fois. Voilà. Je savais. Une fois seulement. D'accord. Du coup, t'as pas trop aimé. Ouais, pas du tout. Je suis traumatisé. Je me dégraisse en quoi. Oh! Allez. Là, on va couper là. On va même pas crier parce que c'est trop fort. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. Écoute ça. Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf... Je sais pas. Là, c'est mort, je réponds même pas à ça. Joker? Joker. Oh, pourquoi Joker? Non, tu peux juste répondre, s'il te plaît. Trop indiscret, non. Alors, dis-moi, t'es en couple ou célibataire? Célibataire. Célibataire? Ouais. T'as déjà été en couple, non? Ouais. Alors, dis-moi, écoute la question. Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf... Écoutez très bien. Oula. J'aime pas les cunis. Eh wolo, Bampang et Vincent. T'aimes pas les cunis? Non. Ah ouais? T'aimes pas que les gars descendent en bas? Non. Oh. Donc ça c'est... Non, je peux pas. Mais non. Non, je peux pas. Ma phobie. Ça c'est mort en fait. Vous croyez ça? Tout sauf les cunis. Eh, mon gars. Descendre là-bas et plus de trucs là. T'aimes pas? Pour moi. Mais c'est pas trop propre ou comment? Non, c'est propre, c'est très très propre. Tu peux demander à ceux qui ont testé, mais moi te gère. Tatine, tu peux répéter s'il te plaît? Tu peux demander à ceux qui ont testé, mais moi te gère. Mais j'aime pas qu'on descende.
Enfin, après, chacun ses trucs, hein. Les gars, vous là, vous aimez bien ça. Mais avec elle, là, faut pas descendre. T'as pas le droit de descendre là-bas. J'aime pas ça. On peut rentrer, mais pas descendre. Ouais. D'accord. Attends, rentrer avec quoi? Pas une interrogation. Bah, tu connais, on veut pas tout dire en fait, tu vois. T'as capté ou pas? Ouais. Un mec genre que je connais pas du tout qui va me dire genre je t'aime, tu vois, au lit, ou genre un bail comme ça, un truc hyper. Pleine action, tu vois, ça va me. Bah, faudrait aussi comprendre, oui, peut-être sous les sentiments et tout le plaisir. Si c'est un mec genre que je connais pas, tu vois. D'accord. Là, ça passe pas. Non. Et toi? Bah, pareil, genre. Enfin, si on n'est pas en couple, si on se connaît que très peu, pas de déclat, quoi. Un homme a le droit de tout faire au lit, sauf. Hein? Un homme a le droit de tout faire au lit, sauf. Sauf me forcer, je sais pas moi. Un truc rédhibitoire qui. Tu t'es dit non, là il peut pas faire ça. Hein? Oh. Voilà. Lui lécher le trou de balle. Alors dis-moi, un homme a le droit de tout faire au lit, sauf. Sauf me cracher dessus. Cracher dessus? Enfin, me cracher. Cracher. Ah, le visage. Ouais. Sur le visage. Ouais. Mais c'est aussi un fantasme, pourquoi pas? Non, c'est. Non, tu me fais pas ça en fait. C'est pas respectueux, genre, tu peux pas faire ça. Mais ouais, du coup, voilà, c'est tout. D'accord. À part ça? Y a plein d'autres choses, mais je vais pas m'exposer comme ça. Mais non, juste une dernière. C'est ça le but de la vidéo. On veut... Tu vois, on fait pas des vidéos pour rien, c'est pour aussi conseiller aux gars, il y a certaines choses que les femmes n'aiment pas. Voilà, tout simplement. Et juste, si vous voulez faire quelque chose, demandez à la meuf avant et c'est tout. Voilà, faites pas des trucs sans son accord. Voilà. Mais oui, c'est clair. Non, il faut toujours demander avant de faire quelque chose, surtout si vous savez que c'est ouf. Ça peut être dégradant pour votre partenaire, c'est ça. Exactement. Voilà. Regardez tout ça, les gars, là. Putain. Hé hey. Tout ça, mais tu peux pas descendre en bas. Ouais, non, j'aime pas. On te l'a déjà proposé ou pas? Mais ils ont voulu essayer, mais j'aime pas. Ah, d'accord. Ouais. Peut-être la personne l'a pas bien fait. T'es pas tombé sur la bonne personne, peut-être. C'est pas mon délire, en fait. J'aime pas. Après, il y a des filles qui aiment bien ça. Moi, j'aime pas. Ça te gêne de voir la personne en bas? C'est pas ça me gêne, c'est que je ne prouve aucune sensation, en fait. Ah, d'accord. Mais toi, au moins, tu descends. Chez l'homme. Je sais pas. Ah, peut-être. Point d'interrogation. Vous avez la réponse. Merci beaucoup. De rien. Merci, Elise. Écoute ça. Un homme a le droit de tout te faire au lit, sauf un truc rédhibitoire. Tu t'es dit que non, là ça passe pas. Bah, tout ce qui passe par les fesses, quoi. Ah, d'accord, là-bas. Ouais, non. Mais pourquoi pas? Parce que c'est pas fait pour. Mais y'en a qui le font quand même. Ouais, mais c'est pas mon délire donc. Mais si les gars il a ces genres de délires, ils te demandent gentiment, même par amour, ce que tu peux faire. Bah, moi c'est non. Non, même si c'est ton mari, non plus. Bah là, en tout cas, actuellement, non. Actuellement, peut-être dans le futur, c'est possible. Pour l'instant, j'envisage pas vraiment. Ah, d'accord. Pour l'instant, elle n'envisage pas de le faire, mais peut-être plus tard, on sait jamais. Bah, ma foi, non. Non, toujours. D'accord, je te remercie beaucoup. Okay. Vous êtes les seuls gars que je préfère conclure, genre, voilà. Pour finir la vidéo, pour la fin de la vidéo. Alors vous allez répondre aussi à cette question. Pas de soucis. Je l'ai posée que pour les meufs, mais là maintenant, c'est les gars qui vont répondre par rapport aux meufs. Une fille a le droit de tout te faire au lit, sauf... Me mettre un droit dans le cul. Jésus. Oh. Là, ça passe pas. Non. Me mettre un droit dans le cul. Aïe. Ah ouais, je veux pas qu'elle me mette un droit dans le cul. Imagine, c'est un fantasme pour elle. Y'a pas de fantasme pour elle, pas pour moi. Il faut toujours essayer de nouvelles choses. Non, pas avec moi. Ça, je vais rien entendre. Non, pour toi, ça passe pas. Ça passe pas. Même si c'est une meuf vraiment de ouf, c'était vraiment même cœur pour toi. Non, même un coup de cœur, rien qui rentre dans mes fesses. Non, t'es pas. Y'a que la mère qui sort. Y'a que la merde qui sort. Non, attends, j'ai de la merde qui sort, rien d'autre. Il y a rien qui rentre. D'accord, il y a rien qui rentre comme Yohan de les dire. Alors toi mon gars, hein? Une femme a le droit de tout te faire au lit, sauf. Non mais c'est pareil frère, voilà, non mais c'est. Tu sais, il y a pas mal de gars qui kiffent, mais toi, non, c'est chelou, tu vois, c'est. Ah ouais, non. Tu vois, on mange pas de ça. Bon, on va développer. Ouais. Alors lécher alors, dans le cul. Il n'y a pas de lèche. Non, là-bas, on touche pas. Non, on touche pas. On touche pas. Voilà, non, sérieusement, on touche pas, frérot. On touche pas. Alors, une manière pour dire. Non, c'est, non ça fait chelou. Non, sérieusement, ça fait chelou. Si tu laisses l'opportunité à une meuf de. Voilà.
de partager ce moment-là. Toi, voilà, tu peux laisser un mec aussi, frère. Voilà, ouais. Toi, c'est une manière pour dire non, c'est inaccessible, frère. Inaccessible. Non, non, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de la vidéo. I forgot her name. I can't buy me no.